Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Nous sommes sur une nouvelle planète de type Frozen, on va y descendre, on va espérer trouver cette planète, un camp assez intéressant. Bah voilà, de toute façon voilà, on en a un camp Apex, pour pouvoir espérer recruter littéralement un de ces superbe petit singe, normalement extrêmement malin. Aïe, aïe, aïe. Je voulais pas le casser, je voulais le... Ah oui, c'est sur V. Alors, oui, parce que bizarrement, le jeu a littéralement ce qu'on pourrait appeler débindé toutes mes touches. Il y a eu quelques mises à jour au niveau des options du jeu, en fait, simplement, je crois. Et en fait, toutes mes options ont été reset. Hop. Du coup, je suis de régler tout ça. Wouah! Je sais pas pourquoi je fais la musique de Rambo, mais j'aime beaucoup ce petit chapeau qui va très bien avec mon rôle de commandant. Hop, je laisse le bouquin. Bon, il paraît que t'as des choses à vendre. Masque d'assassin, ouais. Oh, si, ça peut être. Non, ça peut être sympa, mais non. Mercenary breastplate. Faudra qu'on s'occupe de tout ça, chers amis. De toute façon, bientôt on aura aussi des commandes. Des teintures et tout ça, quand on aura atteint le endgame, on pourra se permettre de faire du cosmétique. Mais là, pour l'instant, la première chose à faire, c'est de commencer à recruter des gens pour le vaisseau et commencer à trouver des diamants aussi. Pourquoi des diamants? Tout simplement pour pouvoir arriver à recruter des pingouins, parce qu'il n'y aura pas de Florane. Du coup, il me faudra des gens en plus. Il n'y aura pas de Florane sur le vaisseau, vous en doutez, hein. Il me faudra des gens en plus sur le vaisseau. Ou alors je recrute peut-être plus de femmes pour mon usage personnel. On va dire ça comme ça. Hop. Oui, j'ai refait des torches à foison hein, aussi. Hein. Vous êtes bien rendu compte qu'on en avait besoin. Ça, je vais prendre parce que j'en ai pas, des trucs comme ça. Oh, elles sont sympas leurs tentes. C'est des tentes de l'armée, entre guillemets, littéralement. Enemy engaged! Ok, c'est tout le dit. Ils ont des shurikens partout par contre. Et des cocktails molotov, c'est des malades! C'est des malades! Yo! Je ne fais que passer, t'inquiète! Oh, mais c'est sympa aussi par là! Ça, je l'ai pas! Ça non plus! C'est marrant parce qu'il est dans le noir et tout ça, il a l'armure des commandes des assassins! C'est très bizarre. À mon avis, c'est significatif certaines choses. Une banane, pourquoi pas. Oh, c'est de la lumière. C'est mignon. Apparemment, c'est très aveuglant. Oh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Une petite source de lumière comme ça, c'est vraiment sympa. Dans une chambre, vous savez, ça peut rendre vraiment cool. De toute façon, j'ai déjà une petite idée de comment je vais gérer mon vaisseau, hein. Comme d'habitude, vous savez bien que je ne fais pas ça, je ne fais jamais ça même d'ailleurs, sans trop y réfléchir avant, ou en tout cas, sans avoir l'inspiration. Donc bon, faut que ce soit différent des autres fois, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour me faire un truc différent vis-à-vis des autres, pour ceux qui connaissent les autres séries, les autres vaisseaux que j'ai vus, qui ont vu toutes les séries sur Starbound, je vous invite bien entendu à... Oui, vas-y, monte, y'a pas de soucis. Non, sérieusement, monte, hein, y a aucun problème, je... Et merde, j'ai pas réussi. Peux-tu venir par là, s'il te plaît? Merci. Hop. Parce qu'en fait, grâce au truc de glace, il voit pas que je casse, et du coup, il me prend pas pour un... Pour un connard, littéralement. Hop. S'il te plaît. Voilà. Merci. Salut. Ok, ça c'est fait. Bon, par contre, il n'y a pas un seul... Vous voyez, regardez, elle est la même que moi, sauf qu'il l'a teinte en noir, en fait, tout simplement. Alors. D'ailleurs, je rappelle, si des gens connaissent des... Oh, il est bleu. Ouh. Ouh. Ouh, ça tire vite. Ouh, ça tire vite. 2-2, celui-là. Alors, attendez, celui-là, il fait 2-2. Alors attendez, 2-2, toute la merde. Voilà.
2-2, toutes les... Alors il fait Rate of Fire 9 tirs, donc ça fait 18 tirs par seconde, 18 points de dégâts par seconde, un peu plus. Celui-là, il fait... Il fait plus, je pense. Il fait plus. C'est pas le même armement. Il faudrait presque que je trouve un deuxième pistolet pour aller avec, et puis je fais... Voilà. Enfin bon, on va bien voir. Ok. Et sinon, à part ça, y'a personne pour me filer une quête, là, ça serait sympa, les mecs. Oula, fille de sniper. Alors, j'aime pas les filles de sniper de ce jeu, hein, je ne comprends pas leur intérêt. C'est un style de combat, hein, à mon avis, hein, mais... Puis de cosmétiques aussi, hein, mais... Je ne sais pas, je ne trouve pas d'intérêt. Merci. Hop. C'est vraiment pas mal, hein, quand même, les mecs. Oh ! Hein ? Alien Appendage, Unique Weapon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore une arme unique. À une main en plus. Allez comprendre. Mais ça me fait quoi en fait? C'est quoi? Ah, c'est... Ça me fait un bras alien. C'est... Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, ça fait des dégâts apparemment, hein, mais... On va le tester dès qu'il y aura un monstre. Oh, il est stylé, lui. Enemy engaged. Mais j'ai rien fait. Ah oui. Ah, c'est les armes de... C'est les armes d'Octopus, en fait, littéralement, dans Spider-Man. Docteur Octopus. Hop. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Y'a plus de tête. Pourquoi y'a plus de tête? It's missing something. Il manque quelque chose. Tu crois? Y'a personne pour me donner une fichue quête? Moi je suis là pour recruter des gens pour mon vaisseau spatial. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ça aussi c'est la classe. Excellent. On trouve plein de choses dans cet épisode, c'est génial. Même si je préférais le chapeau de... On verra bien, on verra. On verra ce qu'on mettra. Pour l'instant, j'ai besoin surtout de quelqu'un, en fait. Est-ce que quelqu'un veut monter sur mon vaisseau? Je promets que je ferai que quelque chose cochonne. Ça, c'est... Ça vous va? J'ai le mérite d'être honnête, vous direz, hein, mais... Non, sérieusement, les mecs... Non? Personne n'est intéressé? Oh, la lumière, je l'avais pas prise. Pourtant, elle est pratique, cette lumière. Attends, elle est pratique cette lumière. Ok. Bah non, on me dit pas qu'on sort du village. Oh, c'est des... Oh, c'est le biome avec les super lumières. Bioluminescence, voilà, cherchez. Ah bah non, c'est stupide. Et est-ce que j'ai un drapeau? Alors, est-ce que je vais avoir un drapeau sur moi? Non. Alors. Comment ça se craft? Copper bar. Ça va être compliqué. Et oven fabric. Attendez, j'ai envie de tester un truc. M'en fous. Oui, je m'en doutais. Je leur grille en drapeau. Quand Apex. Voilà. Drapeau. Volé. Ah oui, volé. Ok, cool. Bon, on va faire un petit passage rapide du coup. Et puis on va bien voir si quelqu'un... Est tenté. Non, il était en Y. Dommage. Apparemment, personne n'est tenté. Hein. Ah, c'est dommage. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi personne veut monter avec moi dans mon vaisseau? Dans mon magnifique vaisseau. N'empêche qu'on peut sprinter vachement longtemps, en fait, hein. Attendez pas à ça. Il s'est même pas rendu compte de ce qui se passait, le pauvre Apex. Sorti de son lit, il s'est fait agresser. Oh, c'est bizarre. Ça fait très membre érectile, si vous voyez ce que je veux dire. Aïe.
Bon, voilà, bref. Dommage. On viendra aller voir, attends, attends, de toute façon, vous verrez. Ok, oula. Un gros monstre. En fait, je tire des points, en fait, des grandes boxes, littéralement. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est que je tire derrière. Hop, c'est bon. Bon, je l'ai eu, finalement. Ok, bon. Hop. Et genre, je peux scanner tout ça pour les refaire ou pas? Je pense pas, mais bon. Là, j'ai un petit peu de cuivre, mais j'ai plus besoin parce que j'ai déjà trouvé leur drapeau. D'ailleurs, j'aurais dû voler l'autre. J'étais stupide. J'ai été un petit peu stupide, mais bon, c'est pas grave en soi. Aïe. Hop. Ça marche pas si mal, hein. C'est rigolo en plus à utiliser. J'ai pas de soin. J'ai pas de soin. Un petit coup de soin. Ah, j'ai la dalle par contre. Et parce que du coup j'ai fait tellement de rangements à côté que... Hop. Ok, il y a un monstre là-haut. Agressif. Ok. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais tellement que t'allais t'amuser à faire l'aller-retour. Hein. Enfin, le demi-tour. Oh. Pa 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 pa. Pa pa pa. Oui, c'est la vraie musique de Superman. C'est pas celle qu'ils nous ont pondue dans Man of Steel. Ou même d'ailleurs, elle est dans... Alors, je dis pas qu'elle est naze, hein, celle de Man of Steel, mais c'est juste que c'est... Voilà, quoi. Enfin, il y a un minimum de respect à avoir pour certaines licences, quoi. Et clairement, là, je trouve que c'était... Enfin, je sais pas... Je comprends l'envie que peuvent avoir des gens de modifier certaines choses, mais enfin bon. Ah, c'est compliqué à utiliser, hein. Je peux le spammer. Gauche-droite, 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 tu percutes, tu percutes. C'est de l'argent, c'est rien. Ok, bon, on y va. Yo. Yo. Ah, vas-y, je t'attends. Je suis hors de portée. Je suis hors de portée. Non. Repars. Allez, vas-y, viens, je t'attends, moi. Hop, le coup de poing du retour. Non, même pas, dommage. Hop, ok. Why not? Qu'est-ce que vous avez là? Rien. Rien. Et là-dedans? Une lampe torche rouge que j'ai déjà. Quel dommage. Quel dommage. J'ai, par contre, j'ai pas tout ça. J'y pense que maintenant, mais j'ai pas tout ça. La commande en dessous. Et j'aurai besoin de la turbine au-dessus. Hop, merci. C'est un générateur électrique. Hein. Et non. Ah bah merde, le saut m'a annulé mon truc. Ah, c'est quand je suis appuyé contre le mur en fait. Ouf, alors lui il est éjecté à chai. À perpète les oies. Hop, voilà comment on chasse dans la vraie vie, chers amis. Avec un fusil d'assaut. Rigolez, mais il y en a qui le font. Hein. Non. Oh, c'était bon ça. J'ai ouvert les portes et bim. Là, c'est ce qu'il devrait rajouter quand tu fais le dash en fait ou n'importe quoi, ça ouvre les portes automatiquement en fait. Tu défonces la porte. Ça c'est un truc sympa. Bonjour. Ouh. Ah oui, j'avais oublié ce truc là. Je crois que c'était un. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une projection. Ah, vous savez la lance. Hop. Solide dis donc. Hop. Je peux m'en mettre une deuxième. Non, ça ramène ici la première. Bon. C'est pas grave. On est full. Ou presque. Un village Apex. Ah bah voilà une deuxième chance. En voilà une deuxième chance avec plein d'objets dedans à récupérer. C'est génial. Déjà tout ça. Hop, hop, hop. Curtains. Aquarium. Aquarium. Hop. Je ne sais plus, je crois que vous m'avez dit, chers amis, que ça reset au niveau des quêtes.
Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage. Hop. Oh, la jolie fontaine, elle a son propre son maintenant, c'est cool. C'est vraiment cool. Le piano, le champagne, je l'avais déjà parce que je suis un gros alcoolique. Est-ce que je... Voilà, merde. Hop. Oh! Celui-là est joli aussi. Faut absolument que je fouille cette ville. Avec la chance que j'ai aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'en fait j'ai de la chance au jour de mon anniversaire. Oui, je suis né le 11 septembre. Pour ceux qui se demandaient encore. Donc cette vidéo est tournée le 11 septembre, hein, chers amis. Je ne sais pas du tout l'avance que j'ai actuellement dans les vidéos. Qui doit pas être extrêmement grande, à vrai dire. Ah, une quête. Ah, puis il a une belle coupe. Il ou elle? Je sais pas. Capita, je sais pas, je sais toujours pas. Mon ami Anasil n'est pas encore arrivé. Rise Zone Platform West from here. Bah écoute, ouais, j'y vais, pas de soucis. Hop. C'est pratique cette... Ah merde. Bon bah voilà, j'ai parlé et je me suis fait avoir. Ah oui, y a ça aussi. Ah bah il est là. C'est tout. Yo. Je t'en prie, viens. Je me ferai un plaisir de te ramener chez ton ami. Allez, viens. Viens, je t'attends. Oh, lui, il serait stylé avec le bandeau devant les yeux à la cyclope. Et voilà. Et non, ni l'un ni l'autre, dommage. Hop, c'était donc 15 flares. Ok. Putain, mais arrêtez de fermer les portes dans ma gueule. Ah mais, ils peuvent pas laisser une porte ouverte parfois, hein. J'ai eu peur qu'il la ferme devant la mienne d'ailleurs, celle-là. Voilà. Oh putain, c'est des bruits de singes. Oh la gueule. Oh les abrutis. C'est moi! Ah, les parfaits abrutis! Hop! Oui, cuisine au comment? Ah, c'est parce que j'ai mis la musique qui lève tous les bras, d'accord. Bah, lave-la, la complète! Ok. Par quelques petits trucs ici. Je dis ça, mais. Ah, bah, ça y est, on peut se payer le niveau supérieur! Le dernier niveau de puissance! Parfait! J'ai complètement zappé. Hop, trop la classe, hein. T'as vu mes collants? Oui, parce que j'ai les collants de Superman. En plus, on parlait de Superman, je sais pas pourquoi. Ah bah, bah si, justement, parce que j'avais sans doute les collants. Alors, je sais pas si dans cette version-là, il a finalement la cape qui va avec le costume, ou s'il faut simplement faire la cape rouge. Ce qui me semble que dans les versions précédentes, il y avait pas la cape du costume, il y avait... fallait juste... Donc là, il y a un truc... On me dit pas quoi. On me dit pas comment y aller. Et ça me choque. Du coup, je vais me frayer un chemin. J'ai cassé une armoire apparemment. J'en ai rien à faire. Une hache. Ouais. Et c'est tout. D'accord. Pourquoi pas, bah écoutez, moi je vais prendre ça, puis c'est bon, on y va. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dans cette zone. Tout ce qu'il y a à scanner aussi d'ailleurs, hein, au passage. Hop, rien ici, dommage. La petite lampe de chevet. C'est bien, ils ont fait des toutes petites lampes et franchement c'est un véritable bonheur de savoir qu'il y en a. Parce que finalement les lampes en fait prenaient parfois beaucoup de place. Et là c'est vraiment général des toutes petites lampes, c'est vraiment vraiment sympa parce que du coup on peut en rajouter sur les tables. En fait les objets, il y avait différents objets sur lesquels on pouvait les poser, mais elles faisaient énormes sur certains objets. Vous voyez par exemple là, regardez cette lampe par dessus le truc, bam, je me la bouffe dans le nez quoi, dans la tête quoi. C'est un peu, parfois c'était un petit peu too much on va dire, et ça a été bien arrangé en fait. Tiens, elle est vide.
Et elle est du coup vraiment vide, je ne peux pas la fouiller, d'accord. Ok. Donc si vous avez des idées de thème entre guillemets pour le vaisseau, hein, si je dois le mettre, si je dois le sécuriser par exemple, est-ce que ça vous plairait si je le sécuriserais, s'il était sécure avec des caméras ou s'il fallait vraiment que je mette des armes partout. Je pense que les armes partout ça va plus être un problème qu'autre chose. Mais sur le principe, vous voyez ce que je veux dire quoi. Hop. Et non, il n'y a pas beaucoup de quêtes hein, chez les Apex. Apex. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, le village est gigantesque. Ok. Aïe. Touché. Healing Zone. Healing Zone. Ok, on va faire un tour dans le village parce que là, il n'y a eu qu'une seule quête. Il me faut absolument un Apex. Hein. Ah. Hop. Ah, il n'y a personne. Hey, je veux pas vous... Je vais couper la musique des fois que. Est-ce que c'est un acte d'agression? Non. Bon bah alors calme-toi. Ah! Un vieux, on en a pas de vieux encore dans l'équipe. D'accord, donc ça c'est un samouraï renégat. Ah, Raised Stone Platform. Bah c'est juste à côté, c'est génial. Du coup, on va sortir cette arme là, on va rigoler. Samouraï versus boxeur. Le grand combat de l'année. Oula. Non. Hop, merci. Excusez-moi, je vais essayer de le... Oh qu'il est solide. Oh qu'il est solide. Oh qu'il est solide. Boum. Boum. Attention, il a son arc. Boum. Si je peux le ramener sur le camp, ils vont tous essayer de l'abattre. Il est bugué. Je l'ai tellement tapé que... Je l'ai tellement tapé, je crois que finalement il a abandonné. Je crois qu'il a littéralement abandonné. Hein. Par contre, je me battais avec une Florane, j'ai pas vu. Remarque, une Florane. Non. J'ai failli faire une exception pour une Florane. Non, ça va pas le faire, là. J'ai failli. Alors. Non! Toujours pas? Merde! Allez! Vous allez bien me faire cet honneur! Un petit peu d'argent. Le mec! Ça fait deux quêtes que je fais chez vous, vous pourriez bien me. Me récompenser, si je puis dire. Allez! Faites pas vos saloperies! Manger plein de bananes. On va voir si je sens une bonne odeur de banane. Peut-être que. En fait, j'ai l'impression que plus je les mange, moins je me régène. Bon, apparemment, c'est bon. Ok. Allez. Mais bossez pas en pleine journée, bande de nazes. En pleine nuit, pardon. Voilà, allez dormir. Allez. Donnez-moi un petit apex là. Il y en avait un en haut. J'ai pas eu le temps de le voir. Non, c'est bon. Non, il y a des stylés avec ce... Mais je crois que c'est une femme.
J'ai du mal avec les apex féminins. Je crois qu'il vaudra mieux que ce soit un apex masculin. Hein. Parce que des apex féminins avec des barbes, moi, ça me fait bizarre. Vous me direz, hein. Vous vous rappelez tous de l'Eurovision. Hop. Je vais les péter, vos portes. Et y'a personne. Mais donnez-moi un fichu Apex. Je veux juste un mec sur mon vaisseau. Ou une fille, hein, mais encore une fois, sans barbe. Non, les dégâts splash, ça risque de la tuer. Boum. J'en prie. Allez! Faites pas vos radins. Ah! 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 Elle a un style particulier, j'aime bien. Lina. Alors. D'accord, je vais aller investiguer. Encore un Floran avec nous? D'accord, donc bah écoute, pourquoi pas. On y va. Allez, cette fois-ci, celle-là, elle va venir avec nous parce qu'elle a un skin particulier. Non, franchement, j'aimais bien. Là, pour le coup, celle-là, j'aimais bien. J'espère vraiment qu'elle va venir. J'ai réussi à passer en dessous, je crois. Dégage. Aïe. Dégage. Merci. Où est-ce qu'il est, le Floran? Ça y est. Il est temps que tu viennes. Track quest. Ah, je crois qu'il y a sa carapace à l'autre qui... Wow! On va se calmer, les mecs! Ok. Hop, les. C'est bon? Problème résolu? Bon, bah écoutez. Pourquoi pas. Allons-y. Allez, Lina, tu montes dans le vaisseau avec nous, s'il te plaît. Ah, j'ai pourtant essayé de refaire pareil. D'accord, il suffit juste que je maintienne espace et bas en même temps. Et je peux le faire. Ok, c'est bien fichu. Il m'a fermé la porte à la gueule, hein. Je veux pas dire, mais... Hop. Ah merde, j'ai doublé. Ah oui, là voilà. Ah, tu veux pas monter sur le vaisseau? Ah, dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Attention. Manipulateur module, pourquoi pas. On n'aura pas d'Apex dans cet épisode alors qu'on a eu deux villages. C'est vraiment dommage. Allez. Ah. Oh mais non, mais c'est une femme avec une barbe. On paraît combien que celle-là va bien vouloir aller dans le vaisseau après. Small wooden hut. D'accord. Ok, bah écoute, je vais aller voir la wooden hut à l'ouest. Si je ne me trompe pas. Même si je suis assez étonné. Ah, je vais devoir aller sauver un Floran pour un Apex. Vous êtes de mèche tous les deux? Ah, ça me choque. Il y en a qui sont partisans du savoir, l'autre qui sont partisans du scavenging, c'est, vous savez, du pillage en fait. C'est deux utilisations débiles parce qu'en fait, enfin deux choses débiles. Ah bah les voilà. Ah non, je dois les tuer. Ah, c'est bête, hein. Ça doit être chiant de se prendre des dégâts tout le temps à cause de l'électricité. Aïe. Eh, il me faut quand même des dégâts, hein. C'est pas comme s'il avait des difficultés à les tuer en plus, hein. Non, je vais pas essayer des splash damage, je vais essayer les coups de poing. J'en ai eu plusieurs quand même. Hop les.
Allez, viens, je te ramène à la maison. Oh, j'ai trouvé un œuf. C'est bon en plus. Allez, viens. Allez, viens. Ça va pas te bouffer l'eau, hein. Merci. Elle avait peur de l'eau. Bon, pourquoi pas. Heureusement, il y a un pont sur celle-ci. Allez, viens. Allez. Voilà, problème résolu. Problème résolu. S'il y a un insecte, non, c'est bon. Bon. Ah, ça c'est bien fait, bien l'accueillir à l'entrée. Hop. Et non. Il n'y en a pas un qui veut venir avec moi. Pourquoi personne veut venir avec moi? C'est mon anniversaire, venez. Bon. Tout le monde est au courant maintenant, c'est bon, hein, c'est fait. Ah, la porte. Ah! Petit enfoiré de... Allez! Allez! Merde. Il y a plein de villageois partout. Il n'y en a pas un pour me donner une fichue quête. Oh, pas possible. C'est pas possible. Hop. On va laisser le truc allumé, hein. Allez, des quêtes. Meurs, c'est bon. Donc il n'y en aura pas du tout. Vous voulez continuer à... A pas me donner du tout le moindre... apex. On n'a pas vu d'autres drapeaux, remarque, sur le chemin, hein. D'accord. On va se téléporter sur le vaisseau, on va redescendre, on va aller voir sur le camp, puis après on viendra là. On va prendre l'autre drapeau du camp. Donc il a augmenté la capacité du... D'accord. Bon, est-ce que là il y en a? Bon, dans le pire des cas, on va... Ah. Oh, puis il est stylé en plus celui-là. Donner une note à quelqu'un. Oui, bah écoute, tiens, voilà, il était juste en face de toi le bonhomme. Si des fois que tu ne saches pas. Oui, t'es stylé, toi tu me plais. Hein? Free red petals. Ok, je vais te les chercher. Oh, il y avait une super épée qui s'habillait super bien à gauche. Je vous invite à revenir en arrière et à faire pause juste avant que je me téléporte. Mais alors vraiment juste avant. Waouh, la beauté fatale quoi. Alors le problème c'est, est-ce que j'ai encore gardé quelques pétales? Est-ce que je les ai pas tous virés? Oh putain. Là je vois des pétales. Giant Flower Poplar. Donc c'est pas ceux-là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas. Il y en a pas là. Il y en a pas là. Il y en a pas là. Vous allez voir. Là je le sens gros comme un camion. Gros comme un camion. Je les ai virés. Ouais. Serrez les fesses, croisez les doigts. Red pétale, putain t'as du bol, j'en ai. T'as du bol, j'en ai. Bon, allez, serrez les fesses, croisez les doigts, croisez les doigts, croisez les fesses, serrez les doigts. Il faut absolument que ce mec veuille monter dans le vaisseau. Ah, je crois que c'était pas elle. C'était pas elle. C'était pas elle non plus, je crois. Non. Non, bah je la revois pas. Je croyais qu'il y en avait une bien. Peut-être elle, en bas à gauche. Voilà. Ouais, pas de soucis. Faut que j'aille dans un donjon un peu plus loin, apparemment. Donjon qui se trouve à l'est. Ça tombe bien, c'est par là que j'ai envie d'aller. Pour récupérer l'autre drapeau. Hop.
Ouh, bonjour madame. Ok, ça devrait être ici normalement. Juste après là. Voilà, il est là. Ah merde. Hop, merci. Et puis voilà, c'est ça le prix partout. Hop, repasse plus tard. D'accord, c'est un complexe. Ok, tiens, voilà. Il y a un coffre. Il y a un truc que j'ai pas fouillé en fait là, carrément. C'est rigolo ça. J'ai déjà, et le snow cone, je l'ai déjà. Frigo, par contre, je l'avais pas. Le lit non plus. Et tout ça, cependant, je l'avais. Ok, on remonte et on y va. Est-ce qu'on fera pas mieux de se téléporter? Je ne sais pas. Pff, non, clairement non. Hein. Hop. En plus, normalement, tout se passe tout seul. Hormis, voilà, la petite recharge. Tout va se passer normalement sans le moindre pépin. Ah, il y a une quête en bas. Ah, c'est le mec à grosse lunette. Bon, je vais le prendre aussi. Ah, j'ai pas fort Iron Ore sur moi, pardon. Ça me surprend, mais pourquoi pas. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, oui, on rit dans la piraterie. Bon. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, bah, je vais les transformer, t'inquiète pas. Il faut que je transforme 2 or et 2 argent, donc ça va se faire tout de suite. Cet épisode est long, mais je m'en fous, chers amis, je m'éclate. Ce jeu est vraiment une perle. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête? Rien, ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait. Fort Iron Ore. Je les avais rangés juste là avant. Enfin, quelque part par là, on va dire. Oui, là, c'est bon. Je me souviens. C'est remonté. Voilà, j'ai tout. On peut redescendre. Tout ce qu'il réclamait. Hop. Ce qu'il réclamait au pluriel, en plus. C'est ça qui est génial. On a vraiment de grandes chances d'avoir quelqu'un qui va remonter, là. Aïe. J'étais certain que ça allait finir par arriver. Oh là, j'ai faim. On va rebouffer une canette. Hop là. T'en vas pas. Ok, je lui ramène ce qu'il m'a rendu, c'est-à-dire parcelle fornique. D'accord, voilà. Oh, le casque. Ah, il s'est barré et il a pas envie d'être mon copain. Oh, mais merde. Il m'a donné une chaise d'exécuteur. D'accord. Elle est sympa, remarque. Hop. Ah, oh merde, il va se faire agresser. Boum. Je l'ai frappé, je m'en fous. Hop. Oui, y a pas de souci. Tiens, je donne ça aussi. Crac. Ok. Hop, j'en prie. Parcelle for Legory. Ouh. Et... Oui. C'est un soldat, j'en ai déjà un, c'est dommage. Je t'emmène, je m'en fous. Je m'en fous, je t'emmène. Et je vais aller voir l'autre. L'autre, si il est... Alors lui, il a une barbe bleue, donc non, ça m'intéresse pas. Si Grosse Lunette est toujours intéressé, je garderai Grosse Lunette sur les deux. Ah, il va me faire chier lui par contre. Je les ai pas sur moi. J'aurais été con, j'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave. Le voilà. Le voilà qui arrive. Où est-ce qu'elles vont être? Elles vont être par là. Hop. Hop. Merde! Non! Ah bah si, pourquoi pas. Ça va peut-être même être plus rapide que prévu. Oui, normal, voilà pourquoi j'ai pas vu le donjon à gauche.
trop con. Il a pas bougé d'un pouce par contre, hein. Oui, il y a pas de souci, je lui donne. Voilà. Hop. Ah, son truc, il avait du bleu. Et c'était un soldat lui aussi. Mouais. Je sais que je pourrais, chers amis, hein, je pourrais, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux. Je pourrais le recruter pour améliorer mon vaisseau, mais c'est pas comme ça que je veux faire. C'est pas comme ça que je veux faire. On remonte. Bon. Ouais. Moi, je vais réfléchir, chers amis, je vais voir comment on peut faire pour trouver, entre guillemets, notre Nova Kid. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On posterait le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens et yop !